Bonjour à tous et à toutes. Non, il n'y a pas eu d'orage. Si. Regardez. Un magnifique ciel parisien. Non, encore pire. Un ciel du 59, de la Picardie et tout ça. Ouais, je vais me faire lâcher vu que, on va dire, un tiers de mes abonnés sont du Nord. Enfin bref, je vais me remettre là parce qu'en fait il caille. On est passé de 38 degrés hier, voire 37 on va dire, à du 17 degrés ce matin. Ouais, en fait il a plu, ma femme m'a dit qu'il a commencé à pleuvoir à 11h30, mais moi à 11h30 elle voulait me réveiller pour me dire « Allez, va prendre ta douche, tu la promets à tes abonnés, va prendre ta douche. » Mais elle m'a laissé dormir et en fait moi ça m'a réveillé à 3h30 et donc depuis 3h30 jusqu'à 7h il a plu. Donc c'était voilà, c'était en plus on dort avec la fenêtre ouverte donc c'était top et trop la flemme pour aller fermer la fenêtre hein, bien sûr. Donc là je sais même pas quelle heure il est, enfin bref, nous sommes dimanche donc il fait froid, il a plu, le ciel est gris et donc ma femme en fait hier vers 10h avant qu'on se couche, je dis à ma femme, je fais, ça serait pas mal que j'allume le spa. On la voit même pas. Ah si, on la voit. Donc voilà. Il n'y a pas de plage, mais il y a quand même de l'eau. Ouais. Pas de rivière, pas de plage. La journée va être longue aujourd'hui, mais elle va être longue. Donc elle est à combien? 38. 38, ça fait du bien? Ouais, c'est pas... Bon, alors elle est encore plus chaude, pas ça m'aurait... Voilà, mais... Bah tu peux, si, tu peux mettre ça jusqu'à 40. Ouais, mais c'est pas grave. On va voir. On va voir si elle... Oui, le premier passage, ça va, comme tu m'as dit, ouais, il fait pas froid. Mais une fois que t'es bien dedans... Ah, mais une fois que t'es dedans, c'est chaud, hein. C'est chaud, non, c'est chaud. Ça pète. 38 degrés, dehors, il fait 17. Bah, 38 degrés, c'était la température d'hier. T'imagines, en gros, hier, on serait rentré dans le spa, en fait, on aurait... Suffoqué, non, mais non. Bah non. C'était la même température hier que ouais, dehors. Non, quand il fait trop chaud dehors, alors le spa a trop chaud, c'est pas bon. C'est pas agréable. Que là, si. Ah, c'est chaud. Ça va sinon? Ouais, ça va. Quoi de prévu? Les glandages. Bah, et sinon, hier, je suis dégoûté parce qu'il y avait un magnifique coucher de soleil. Et j'ai impossible parce que. Mon drone fonctionnait, mais comme par hasard, ils ont fait une mise à jour. Donc que ce soit les deux applications que j'ai, les deux ont fait une mise à jour. Et comme par hasard, franchement, l'application fonctionne, mais non, ils te font une mise à jour. Et elle fonctionne plus. Voilà. Je crois qu'il y a une fillette dans le coin là-bas. Ou c'est peut-être les chats. Dégoûté, on va rien faire aujourd'hui. Arrête de te plaindre. On va rien faire. S'il faut déplacer le canapé. Youhou! Pousse-moi. Enfin bref. Je vous mets un peu de bulle. Tu mets un peu de bulle. Juste allez, pour mes abonnés. Soyons fous, mettons les bulles. Allez. Ah, c'est chaud! On voit rien. Allez! Ça sent fort le chlore. Je vous dis à tout à l'heure. Ça squatte à la maison. J'ai acheté une croix, je veux dire. Et mon frère. Ouais, mais elle, vous la connaissez. Et mon père. Pourquoi il y a mon père et mon frère, parce qu'il vient squatter, parce qu'il se fait chier, il n'y a plus sa femme, il n'y a plus ses enfants. Ouais, elle est partie avec un autre homme. Oh, dis pas ça, c'est nul. Ah mince, je voulais cacher ça. Je voulais cacher ça. Vous avez pas vu. Donc on va me dire encore que je m'embourgeoise. Mais regardez ma télé. Ah bon? Regardez la nouvelle télé. Un petit exemple. Je vais mettre le bras là, comme ça. Voilà, mon bras. Et on va aller voir sur l'autre. La télé de papy est plus grande. Mon bras. Mon père, genre, mec, mon père m'offre une télé. 7 euros. Ah, de quoi?
Mon père m'a offert une télé, je sais pas pourquoi, il s'est dit ouais, c'est mon. Attends, c'est mon fils préféré. C'est mon fils préféré, je lui offre une télé quoi. Ouais, une petite télé de 100 et quelques centimètres comparée à la 70 centimètres. En fait, on fait une bonne affaire parce qu'en gros, il s'est racheté une télé, mon père. Et en gros, il m'a dit, ouais, il me fait, ça t'intéresse une télé, une plus grande télé? Je fais, oui, pourquoi pas? Il me dit pas cher, donc voilà. Donc j'y rachète son ancienne télé. Et là, en fait, il est venu pour pouvoir la mettre au mur avec... Parce qu'en fait, la grosse télé rentre pas au sol. Et donc, en gros... il est en train de mettre la télé là-bas au mur. Enfin bref, voilà ce que ça donne. Donc merci à mon papa. Donc finalement, ça nous fait un nouveau salon. Donc télé, le canapé qui était le long de ce mur, il est arrivé là. Et en gros, ça fait un peu plus de place à Corinne pour le milieu, pour les enfants. Voilà. Donc là, je vais aller manger parce qu'en fait, on est en train de... ma femme est en train de servir hamburger frites maison. Ouais, je suis au régime. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non. La maman de Raphaël? Annabelle, c'est mort, mais Raphaël, je fais ce que je veux avec. Ouais. Ça, c'est cool. On se retrouve l'après-midi. Alors, on a eu de la chance. Le soleil est ressorti. Mais il y a énormément de vent. Alors là, je fais le tour par dehors. Parce que ma femme a fait les sols. Et pour rentrer dans ma maison, je suis obligé de passer par la fenêtre. Comme un voleur. Comme un voleur. Voilà. Entre en bas, il est volé, s'il te plaît. Oh, t'es nul. J'ai dit les volets, je t'ai pas dit entre bas, ta bouche. Donc là, on va se poser tranquillement un petit peu. Elle est belle, cette télé, quand même. On la voit d'ici. Elle est énorme. Donc ouais, on va se poser un petit peu les 14h tranquille, on va regarder Arrow. Ça te va Arrow? Ouais, ouais. Aller au maximum de sa puissance ouais, physique. Bah, en même temps j'ai chaud, je viens de me taper tout l'aspirateur et tout là. Tu blagues? Oh, putain, j'ai un truc dans l'œil ça. Ah oui, en parlant de qu'elle a un truc dans l'œil, non, le truc en avant. On a eu deux ou trois commentaires en me disant tu devrais faire des livraisons dans toute la France. Il y en a un, c'était ça. L'autre, c'était Charente-Maritime. Et je ne sais plus, je crois qu'il y en a un troisième, je ne sais plus. La réponse de Corinne qui disait en fait ça ne nous dérange pas de livrer dans toute la France si. On est hébergé. Voilà, si on est hébergé. Voilà. Voilà. Comme elle m'a dit, il y a personne qui a un terrain, un grand terrain. On a une grande toile de tente. Donc au pire, si quelqu'un a un terrain où on peut poser une toile de tente, avec l'électricité et de l'eau. L'électricité et de l'eau. Bah après, si c'est chez quelqu'un, automatiquement il y a l'électricité. Ouais. De l'eau, bah on squattera une douche quelque part. C'est un appel. Un appel à l'aide, un appel aux vacances. Non, les vacances c'est bon, normalement c'est bon. C'est juste ouais pour voir du paysage, pour rentrer peut-être pour vous rencontrer. Ça serait pas mal de rencontrer des abonnés. J'avoue, ça serait marrant. Voilà quoi, on ferait d'une pierre deux coups, rencontrer des abonnés, visiter les environs, tout ça quoi. Enfin bref, allez, on se pose, on se met à Arrow, parce que là, dans Arrow, ça part un peu en cacahuète. Je ne me rappelle plus ce qui s'est passé, mais ça part en cacahuète. De toute façon, ça part toujours en cacahuète. Et là, en fait, on est obligé de regarder Arrow. Parce qu'on regarde, je ne sais pas si vous regardez, je ne sais même pas si vous savez ce que c'est Arrow, c'est une série. Et en fait, il y a Arrow, il y a Flash. Et en fait, là, nous sommes arrivés à un épisode de Flash. Ouais, la télé, elle est arrivée ici. Donc, en fait, le soir, on regarde la grande télé. Enfin, bref. Et en fait, on est arrivé à un épisode de Flash où, en fait, ils ont fait en deux épisodes. Ils ont mis un épisode sur Flash et l'autre épisode sur Arrow. Donc, on est obligé de regarder Arrow jusqu'à l'épisode 8. Enfin, j'espère. Voilà. Il nous en reste 3 pour le moment. Allez, j'arrête là. Je vous dis à tout à l'heure. Range-moi ces chaussures dans les tiroirs là-bas. Et que ça saute. Ça, claquette là, claquette là, chaussette, claquette. Allô, ma claquette, à moi. Allô, ma claquette. Allô, ma claquette.
Et toi pas surtout. Ça t'amuse. Alors recouvre le billard. Recouvre le billard. Ouais, mais c'est sa couverture. On fait le lit du billard. À l'origine, je voulais recommencer ma vidéo, mais elle est venue en gueulant, donc je me suis dit c'était si marrant. Recommencer ta vidéo quoi? Bah, j'étais en train d'enregistrer. Ah mince. Depuis tout à l'heure, je t'enregistre. Bah, tu le dis. Bah non, c'est tellement mieux de te filmer en train de gueuler. C'est tellement mieux. Donc en fait, ma femme, elle s'est réveillée d'un coup là. Genre, hop, faut aller ranger ton atelier. Oui, c'est le bordel. Donc, il faut ranger l'atelier. Critique. Et donc tu m'aides, c'est ça? Oui, je t'aide. Allez, défais les... Personne va m'obtérer? Pas cher, 50 euros. Pas cher. Je suis mort. Pas cher. Elle me fatigue, elle me fatigue. Qui c'est qui fatigue l'autre? Qu'est-ce que tu vas faire là? T'as raison, vas-y, mets là-haut. Non, je peux pas. Bah ouais, tu peux pas. Enfin bref, je vais aller ranger l'atelier parce que... Ça rentre pas non plus. Voilà, elle fait n'importe quoi. Oh, mon atelier. Ah, elle me fait mal aux yeux. J'ai plus l'habitude de cette lumière. Ça doit faire au moins, je sais pas, 2 semaines. C'est, ouais, au moins 2 semaines que je suis pas... Ah non, j'ai fait une page il y a pas si longtemps que ça. Ouais, c'est à deux dater de 2 semaines, enfin bref. Donc on a rangé l'autre côté. Bon, il n'y avait pas grand chose, c'est juste qu'on a rangé les poussettes. Surtout ma femme a passé un gros coup de balai. Donc moi, j'ai aidé un petit peu à ranger le C2M stencil. Voilà, mais maintenant, il faudrait que je range le créa de moi. Regardez ce why. Il y a de tout. Il y a vraiment de tout, il y a de la colle, il y a heat gun, pistolet à colle, scotch, il y a même un trépied en plein milieu, il y a vraiment de tout, masking tape qui est en plein milieu, les tampons, les pochoirs, c'est un truc de malade. Bon, je vais m'attaquer à ça comme ça au pire. Ah maintenant, demain ma femme va aller à la plage. Bah aujourd'hui on n'y a pas été. Voilà, donc je vais ranger tout ça. Et franchement, j'étais en train de regarder vos ATC. Bah, il y a juste celle-ci où j'ai pas fait la photo, Sandy. Hein, t'inquiète, j'y pense. Au pire, demain. Ouais, parce que j'avais l'impression que ça allait sauter. Demain, je vais la prendre avec moi. Comme ça. Alors, je sais pas si j'ai dit que c'était la chaîne de Sandy. Je sais. Est-ce que je l'ai déjà montré? Est-ce que je l'ai montré au moins? Si je l'ai montré. On allait à la plage en plus. C'était la chaîne de Sandy. Enfin bref. Demain j'irai faire la photo. Et en fait quand j'étais en train de regarder vos photos, vos ATC, donc qui sont là. Donc là j'étais en train de me dire comment je vais faire pour les ranger. Alors je pense, vu que je dois avoir une fuse quelque part. Oui, je dis quelque part parce qu'en fait, franchement c'est grave le matos que j'ai. C'est pas en peu de temps, mais je me dis que j'ai énormément... Franchement, parfois, j'ai envie de faire des portes ouvertes. Et en gros, la personne à fouille, si elle a envie d'un truc, elle le prend, toi. Genre à petit prix ou un truc comme ça. Parfois, j'ai envie de faire ça. Mais ça serait... Ah, je crois qu'il y a les étourneaux, c'est ça, si je me rappelle bien, qui volent. Et donc, enfin bref, je pars d'un sujet à un autre. C'est en train de vous regarder, donc oui, je disais que j'allais sûrement faire des... Ils me saoulent les chats. Vous entendez, j'espère? Que c'est pas dans ma tête. Vous voyez ce bruit-là incessant de miou, 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 miou. Franchement, vous pouvez voir sur mon visage la chaleur qu'il fait. Parce que oui, ce matin, il a fait bon, 17 degrés, mais là, c'est remonté à 35 degrés. Enfin bref, j'en étais où? Je ne sais plus, à cause de ces chats qui n'arrêtent pas de miauler, comme je vous ai dit, toute la journée ça miaule, toute la journée. Quand c'est pas 1, c'est 2, quand c'est pas 2, c'est 3, quand c'est pas 3, c'est 4. Parce que je vous ai pas dit, ou si je vous l'ai dit, il y en a 5. Donc quand ça miaule, les 5 en même temps, on a la tête comme ça. Donc j'étais en train de vous dire que je vais sûrement faire avec la fuse des pochettes, en fait, directement faites sur mesure, parce que il y en a une ou deux.
genre celle-ci avec la plume et celle de Céline qui dépasse un peu, voilà. Je vais sûrement faire des trucs pré-faites avec la fuse, voilà, et donc avec des pochettes de scolaires, voilà. Et donc j'étais en train de penser à ça et scolaires, voilà. Ouais, l'un vient pas sans l'autre. Et je me suis dit, ouais, le mec qui est chiant, qui aime recevoir plein de choses, qui aime recevoir des cartes, qui... je me suis dit, pourquoi pas faire une ATC scolaire, un appel de cartes ATC scolaire. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, si c'est une bonne idée ou pas. Et en fait, faire un truc comme ça, en même temps, moi, je vous fais découvrir des personnes, parce qu'automatiquement, toutes les personnes, je les ai toutes fait découvrir en vidéo, et après, je les fais découvrir sur ma page Facebook. Et en fait, voilà, ça me fait faire, moi, connaître des gens. Bah, les trois quarts, je les connais déjà. Il y en a peut-être des nouvelles. Bah, si, la Québécoise... je m'en rappelle plus où elle est. C'est celle-ci. C'était Marie-Claude. En plus, tu m'as parlé hier, mais toi, j'ai eu un trou de mémoire. Tu m'as même parlé ce matin. Voilà, et après... enfin bref. Ouais, ça fait beaucoup de... enfin bref, j'ai chaud en plus. Il faut que je range mon atelier maintenant. Je crois que ça va être un peu tard parce que je parle beaucoup. Voilà. Et donc, dites-moi ce que vous en pensez si un petit appel d'ATC scolaire, et donc après on partirait sur ATC, parce que d'habitude je fais des appels de cartes Halloween. On pourrait peut-être partir sur des appels d'ATC Halloween, donc scolaire Halloween. Après ça serait peut-être Noël, Nouvel An. Ouais, je vous vois loin. Nouvel An, Saint-Valentin. Après, même si c'est pas de l'amour, la Saint-Valentin c'est aussi l'amitié. Voilà. Après Saint-Valentin, il y aurait quoi? Mon anniversaire, Pâques, et après Pâques, je sais pas ce qu'il y aurait. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'adore recevoir des cartes. Je pense, genre le mec qui envoie des fleurs, je pense que vous aimez envoyer des cartes aussi. Allô, allô. Ouais, je sais, je réponds pas beaucoup, je l'avoue, mais il y en a beaucoup à répondre. Mes frais postaux sont hors normes. Vous imaginez, mais que mes frais postaux sont hors normes. Là, j'avais dit que j'en avais 34. Enfin bref, allez, j'arrête. J'arrête de parler pour le moment. Je range mon atelier. Comme ça, demain, je pourrai pas faire de scrap parce que ma femme veut faire de la plage. Je l'ai déjà dit, mais je me répète. Surtout, je me tais. Il y a un moustique dans mon atelier. J'ai rangé... mon bureau. Et regardez, ma femme elle est en mode je joue au billard. Elle est où? Elle est là. Ça va, tu te la pètes un peu là? Bah allez, je t'attends. Tu m'attends? Fais un timelapse. Bon bah je crois qu'il y a des invités surprises. Non, je savais pas. Qu'est-ce que vous faites chez nous? Alors aujourd'hui vous avez le droit au père, au frère, à la sœur. Ah ouais, au frère. Je vais faire pipi. Allez, les adultes. C'est de la main, c'est de la technique, c'est du jeu. Ah, ça reste. Et il me reste plus que la noire. Ça fait du bien. Donc ça y est, ils s'en vont, enfin. Donc finalement, qu'un or, revoir mes frères, ce n'est qu'un or. C'est ta voiture, toi, sérieux? C'est pas la mienne. Regardez. Oh, c'est pas la tienne. Pas la tienne. Regarde. Allez, tu plages, quoi.
Vous avez vu ce pet cage? Ah, j'ai pas vu, j'ai pas vu. J'ai pas vu. Où? Oh non, t'abuses. Accident. Ah ouais. Il avait enlevé ça, il a on pété le phare là, là. Il a pété le phare là, là. Oh là là, la misère. C'est le gros titre. Il a eu un accident. Il a eu un accident. Ah ouais, je vais finir mon vlog ici parce qu'on est bien en fait. Donc... Ouais, il s'en fout, c'est pas sa voiture. C'est la voiture de ma femme. Oh, c'est pas la mienne. Attends. Hey. Ça part vite quand même, c'est clair. Enfin bref, allez. Ouais, c'était genre les vieilles. Les vieilles vignettes putaclic. Enfin bref, je vais arrêter là. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. Ah, c'est bien avec de la lumière comme ça en pleine nuit. Je vous dis donc à demain. Si tout va bien.